C'est les membres qui vont prendre cette décision. Mais selon moi, c'est essentiel que le prochain chef du NPD soit impeccablement bilingue et qu'il connaît le Québec. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'un gouvernement fédéral qui est capable de comprendre le Québec. Mais deuxièmement, si on veut gagner, si on veut avoir un mandat, il faut garder notre percée. Et cela veut dire qu'on a besoin de tenir nos promesses. Nos promesses aux Québécoises, c'était quoi? Que le NPD va être leur défenseur et va aussi travailler avec des autres progressistes à travers le Canada pour remplacer le gouvernement Harper. Ça prend les deux. Il faut faire le travail au Québec et il faut faire le travail à travers le balance du pays. Alors, cela veut dire quoi? Il faut comprendre le Québec, de bien faire le travail au Québec, et après ça, il faut faire plus. Il faut être capable de trouver les arguments qui vont convaincre tous les Canadiens que c'est nous qui sommes capables de remplacer le gouvernement Harper et qu'on est digne d'un mandat.